tribune, le duel que vous avez l'habitude de suivre tous les jours à partir des 11h. Nous sommes là désormais chaque jeudi et vendredi pour vous aider à comprendre en profondeur tous les grands sujets d'actualité. Vous le savez, c'est depuis le lundi que Martin Fayoulou a décidé, avec son Essidé et son Lamouka, de ne pas déposer de candidature, donc de tourner le dos au processus électoral, ce qui a soulevé la colère de plusieurs de ses militants et sympathisants, ceux qui avaient leur foi en cet opposant qui était deuxième à l'élection présidentielle de 2018. C'est ça l'actualité et nous avons encore d'autres sujets que nous allons décrypter au sein au cours de cette émission, j'allais dire. Vous savez, les torchons brûlent entre Matata Ponyo et le président du Sénat, Modeste Bahati. Matata Ponyo, le sénateur et ancien premier ministre, juge ces derniers des complices qui seraient aux manœuvres du pouvoir pour le disqualifier parce qu'il est, selon ses propres termes, le candidat sérieux qui fait peur au régime en place. Sur ces plateaux, il y a deux invités, un autre va s'ajouter, Maître Claude Ngoma, que vous connaissez très bien. Il est membre actif de Nouvelle-Élan, d'Adolphe Mouzito. Et de l'autre côté, Maître Cyril Moulomba, un analyste politique. C'est avec eux que nous allons débattre. Il y a d'autres qui vont s'ajouter au cours de cette émission. Maître Claude, bonjour et bienvenue. C'est à moi de vous remercier, très cher frère Morgan, et à mon débatteur, je lui salue, et à l'équipe technique qui est arrangée derrière les caméras, également je leur souhaite bon après-midi. Salutations donc, acceptées donc au nom de toute la chaîne, nous vous disons merci d'être passé. Maître Claude, la décision de Martin Fayoulou, apparemment ça vous arrange, la Mouka ne sera plus... du moins l'aile Fayoulou ne sera pas représentée aux élections de 2023. Non, mon cher Morgan, dites que la décision de monsieur Martin Fayoulou nous arrange ou nous arrangerait, je dirais non. Mais parce que c'est parce votre que rival depuis un certain moment où les violons ne s'accordent plus hein, entre vous. Oui, on a déjà dépassé cette étape-là. Aujourd'hui, nous travaillons pour les élections. Et en ce net moment, nous sommes en train, la centrale électorale de des Nouvelle-Élan est en train de travailler d'arrache-pied pour qu'une fois le bureau de BRTC seront ouverts, nous irons déposer. Et donc ici, je respecte le point de vue et la position de M. Martin Fayoulou et son parti politique SID. Mais voilà, la question que j'aimerais, excusez-moi de vous interrompre, la question que j'aimerais poser, est-ce que vous êtes acteur politique, vous avez aussi un leader? Et comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous analyser cette décision de ces leaders? Parce que d'aucuns pensent que c'est de l'égoïsme. Comment est-ce que tous ces jeunes ou encore ces membres du parti qui ont foi en Fayoulou, qui sont en train de monter eux aussi, qui espéraient être candidats aux élections de 2023, comment est-ce qu'ils peuvent voir cette décision bien que certains ne veulent pas se manifester? Non, et écoute, si cela vous arrive aussi, non, prenez écoutez, ça comme si c'était vous. Écoutez, c'est une décision émanée de son parti politique et à lui entendre parler, c'était une décision consultée. Mais on a vu les militants manifester. Et tant que cette décision n'a pas été contestée par les cadres et militants de l'ESID, bien sûr, moi, il y a des militants qui ont manifesté. Hein. Il y a des images. Bon, moi, je ne sais pas s'ils ont manifesté parce que la décision ne leur plaise pas, ça, c'est légitime pour eux. Mais moi, je viens ici donner la position de ma formation politique qui est Nouvelle-Élan. Nouvelle-Élan, nous avons des axes. Le premier axe, c'est maintenir la pression sur les régimes, sur la CENI, pour obtenir des élections crédibles et transparentes. La question, notamment, du fichier électoral, la question du bureau, de la composition du bureau de la CENI, à la tête avec Kadima, la question de la Cour constitutionnelle. Et donc, ce sont des préalables que nous continuons à maintenir cette pression pour que nous puissions avoir gain de cause. Mais de l'autre côté, dans le deuxième axe, nous sommes là en train de nous préparer pour affronter ces élections. Parce que pour nous, nous avons dit, où Lola va mener Caillou, on est là. Mais ce Kadima est en train de jouer à la kamikaze. Mais ce Kadima, c'est un peu le genre de ces arbitres qui, une fois à la fin du match, il siffle, il prend
Il fuit parce que les supporters vont le poursuivre. Et donc, ici, nous disons que nous, Nouvel Élan, nous sommes prêts pour les élections. Nouvel Élan, vous êtes 26, prêts nous irons pour déjà les déposer élections. Nos candidatures. Donc, vous n'êtes pas dans la logique de Martin Fayoulou de tout abandonner au nom d'une certaine méfiance. Non, quoi. Ce n'est pas notre position. Maître Cyril Moulomba, vous avez suivi la décision de Martin Fayoulou au nom de son parti, les CID, et également la plateforme Lamouka qui lui a porté en 2018. Comment est-ce que vous avez accueilli cette décision? Parce que déjà, au sein du parti, on sent qu'il y a des remous. On a vu même les militants montrer leur mécontentement en cassant, en chantant au siège du parti. Mais vous qui êtes également acteur politique, très actif sur la scène politique, comment est-ce que vous avez accueilli cette décision? Merci beaucoup. Monsieur Morgan, d'abord pour l'invitation, c'est la première fois que je vous en prie. Je me présente à ce beau cadre de CSS TV. Merci. Je tiens donc à vous remercier pour ça et je salue mon co-débatteur, l'équipe technique et surtout tous les amis qui sont en train de nous suivre présentement. Ils sont acceptée. Très nombreux. Ils sont très nombreux. D'accord. Vous parlez de monsieur Martin Fayoulou, ouais. Un opérateur politique. Celui qui s'est toujours réclamé comme président élu des élections de 2018. C'est son droit de dire ce qu'il veut. Nous sommes dans un état de droit. Exactement. C'est tout à fait logique et normal qu'il puisse garder sa manière d'appréhender les choses. À notre niveau, nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris parce que les choses telles qu'elles sont en train d'être, la politique telle qu'elle est en train d'être menée dans notre pays, il est tout à fait normal que les masques tombent et tomberont. Il y a très peu de gens... Vous estimez que les masques sont en train de tomber? Il y a très peu de gens qui parlent des élections mais qui ne croient pas en ces élections. Il y a beaucoup d'opérateurs politiques... Matin, midi, soir, ils vous disent que nous voulons parce que aller... ceux qui vous suivent risquent de ne pas comprendre. Nous savons que Martin Fayoulou a toujours réclamé ses élections dans tous les salons, dans une chose, tout, sur tous les plateaux qu'il est. Une chose est de réclamer, une chose est de croire en ses élections. Et croire ou préparer, parce que croire c'est une chose, mais préparer un autre. Martin Fayoulou croit aux élections, mais ne s'est jamais préparé aux élections, parce qu'il n'est pas prêt pour les élections. Comment ça? Mais on sait le voir. Aujourd'hui, il se réclame comme étant président élu. Il s'est fait enrôler. Mmh. Je suppose que quand quelqu'un s'est fait enrôler, il a deux possibilités. Mmh. Il s'est fait enrôler pour être lui-même éligible et électeur, ou soit être électeur. En se faisant enrôler, nous supposons qu'il savait que en se faisant enrôler, il va sûrement être éligible, il va se présenter aux élections. Exactement. Mais en tant que leader d'une formation politique, on sait voir que tel parti politique se prépare pour les élections. Le premier acte d'un parti politique sérieux au moment des élections, c'est de suivre l'opération d'enrôlement. Mais vous suivi, raison pour laquelle il a trouvé que ces fichiers n'est pas crédible, il faut tout simplement... Les données existent au niveau de la CENI. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur Martin Fayoulou peut nous dire combien de témoins qu'il a envoyés dans des bureaux d'enrôlement pour se rassurer de ce qui s'est fait exactement? Parce qu'on peut contester. La contestation, je dis toujours aux amis, il n'y a pas une bonne position que l'opposition, hein. En politique, si vous voulez faire une politique très facile, mettez-vous du côté de l'opposition. Vous verrez la petite bête partout. Vous pensez vraiment, excusez-moi de vous interrompre, parce que là, je comprends que vous êtes en train d'aller un peu dans les tout. Vous pensez que l'opposition n'a pas donc de raison ou n'a pas de motif valable de revendiquer ou de dire que ça ne va pas lorsqu'il y a des choses? Parce qu'on a vu... pendant le processus d'enrôlement, il y a des cartes qui s'effacent, il y a beaucoup d'aléas qu'on a déplorés ici. Et si, sur base de ces éléments, Martin Fayoulou pense que le fichier n'est pas crédible et qu'il faut à tout prix que l'audit soit fait par des organes internationaux, pensez vraiment que ça ne tient pas la route? Même si l'audit est donné à Jésus-Christ, Martin Fayoulou ne pourra jamais accepter. Ne dites pas ça, sérieux. Je vous dis, même si c'était, on prend Jésus-Christ, on dit, voilà, faites l'audit
du fichier électoral congolais, Martin Fayulu ne pourra jamais accepter. Je pense qu'il aurait peut-être accepté que ce soit lui qui fasse ce fichier, cet audit-là, c'est peut-être qu'en ce moment-là. Ce n'est pas possible, parce qu'il n'est pas être possible. Donc ça veut dire qu'on pourra faire tout ce que l'on veut par rapport à ce fichier. Aujourd'hui, Martin Fayulu ne pourra jamais accepter. Mais la question que je pose, je l'avais posée également à Maître Claude Ngoma, vous êtes tous de jeunes politiques, pour ne pas dire que vous n'êtes pas vieux, quand même, vous n'avez pas 70 ans, 60 ans. Vous êtes en train de monter en politique, mais aujourd'hui, voir un leader, parce qu'il y a une certaine opinion qui pense que cette décision, elle est égoïste dans la mesure où elle ne favorise pas les jeunes énergies qui sont en train de monter. Vous qui êtes également dans ce panier de jeunes qui montent, comment est-ce que vous avez analysé ou vous avez accueilli cette décision de Martin Fayulu? Bon, je ne saurais pas me mettre dans la peau de les membres de son parti. Ça peut vous arriver aussi, hein, vous avez aussi des chefs de parti qui peuvent, au nom d'une certaine logique, penser que ben voilà, il ne va pas se représenter, ou carrément il claque tout et directement vous êtes victime. Il y a sûrement de bonnes raisons. Je pense que ils se sont mis autour d'une table pour discuter de la question. Et si cette position a été donnée, je suppose que c'est la décision de son parti politique. Non, mais on a vu une frange du parti manifester, ce qui veut dire donc que ça veut dire tout le monde n'est pas d'accord. L'unanimité n'est pas là. Donc, voilà. Pour dire qu'il y a un problème, il y en a qui considèrent qu'on ne peut pas arriver jusqu'à ces niveaux ici et lâcher prise. Et ils ont sûrement raison. Et il a aussi ses raisons. Mais nous, de notre côté, nous savons voir que cette position-là, c'est une preuve éloquente que monsieur ne s'est jamais préparé pour les élections, ne croyait pas à ces élections. Non, mais il était en train de croire, il espère, parce qu'il est dit dans son communiqué, il espère qu'il y ait une réunion, il faut que les gens se retrouvent pour discuter. Aujourd'hui, si nous devons faire ce qu'il demande là, ça veut dire qu'il faut prendre au moins deux ou trois mois. Donc, il veut le glissement. Mmh. Pendant qu'il y a quelques mois, il disait pas même un jour de plus pour Félix-Antoine Tshisekedi. On a compris, mais la question que j'aimerais vous poser, ou que j'insiste, ce que je veux savoir, c'est que vous, en tant que politique, penseriez-vous aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentiriez, ou si jamais une telle décision venait de votre autorité, du parti, parce qu'il y a une partie de la population qui pense que cette décision n'est pas favorable aux jeunes du parti ou aux cadres du parti qui ont des ambitions, qui veulent eux aussi se présenter aux élections. Bon, moi j'ai la chance d'évoluer dans un parti politique et dans un regroupement politique avec des leaders sérieux. Donc je ne pense pas qu'une telle situation peut nous arriver. Merci. Merci Maître Cyril Moulomba. Il y a Héritier Ngaché qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Il est cadre du parti AFDC de Modeste Bahati, avec qui Matata n'est pas en odeur de sainteté. D'abord, Ritier, bienvenue. Merci. Bien que vous êtes arrivé un peu en retard, on était en train de parler de cette décision de Martin Fayulu de ne pas se présenter ou carrément de ne pas déposer, de tourner le dos au processus électoral. Vous êtes jeune, vous êtes cadre d'un parti politique. Si jamais votre leader, ayant bien sûr, vous avez des ambitions, mais si jamais votre leader du parti venait à décider que plus jamais on parlera du processus électoral parce que le régime ne veut pas répondre à nos exigences, comment est-ce que vous pouvez vous sentir pendant que vous avez des ambitions de devenir aussi grand en politique? Est-ce que vous allez quitter le parti ou vous allez rester au nom de la loyauté? Voilà. Merci pour la question. D'entrée de jeu, je commence à saluer mes débatteurs avec lesquels nous allons interagir sur ces plateaux. Mes excuses à l'ensemble des téléspectateurs pour mon retard. C'est n'est pas tributaire à ma bonne volonté. Je suis quelqu'un respectueux de mes engagements et de mes responsabilités. Merci beaucoup. Je pense que je suis pardonné. Voilà. S'agissant de la question relative à la démission ou à la fuite en avance de M. Martin Fayulu, c'est une fuite en avance. Je note que monsieur n'a pas été préparé pour affronter les élections. Il y a un notaire que nous étudions beaucoup en droit constitutionnel, Palambora, mon aîné le connaît très bien,
qui disait qu'un parti politique se distingue des groupes de pression par sa capacité d'affirmer sa volonté ferme de participer à la gestion de la République seul ou en coalition avec les autres. Donc, la différence entre un parti politique et un groupe de pression, c'est notamment sa volonté, cette revendication de participer à la gestion de la République seul ou en coalition avec les autres. Par là, vous voulez dire ça veut dire que SID est un parti de pression, c'est un groupe de pression qui vient de se vider de sa subsistance politique parce que ces élections devaient être une sorte de texte grandeur nature pour Martin Fayulu. Il a été propulsé aux dernières élections par les capitaux politiques des autres. Vous avez dit une part Moïse Katumbi à cause de son argent. Mais il est, convaincu que c'est lui qui avait battu. De l'autre côté, avec Bemba, Jean-Pierre Bemba, à cause de sa popularité, il a voulu faire son chemin en solo. Et donc, il devait prouver, montrer ses biceps, qu'il est capable de résister même quand les autres ne sont plus là. Mais là, il vient de montrer à la face du monde que c'est un lâche. Je dis un lâche. Comment ça? Un lâche parce que... Non, ça, c'est quand même trop fort. Lâche parce qu'il a été soutenu. Non, mais c'est comme quelqu'un qui a été... C'était un robot. Retirer lâche, c'est quand même trop fort. Je ne trouve pas un autre concept. C'est quelqu'un qui mérite aussi d'être respecté. Il était deuxième à l'élection présidentielle. Je retire, mais son comportement frise de la lâcheté. Parce qu'il a été soutenu par les autres. Il a été propulsé par les autres. Martin Fayulu est une volonté négociée des puissants. C'est-à-dire, vous avez le président Félix-Antoine Tshisekedi, Vital Kamerhe et consorts. Par sa malice, il a réussi à mettre tous ces gens dos à dos et il s'est frayé en chemin. On l'a soutenu. Mais maintenant, après que ces gens aient retiré leur confiance, il devait prouver à la face du monde qu'il est grand. C'est-à-dire, redynamiser son parti politique, le restructurer, faire en sorte qu'il assoie son ancrage au niveau national. Il ne l'a pas fait. Et si vous allez ici à Kinshasa, vous ne verrez même pas les sièges. Partout ici, vous n'avez pas les sièges de l'ICD. Contrairement au parti politique Nouvel Élan, j'ai été au Nord Kivu, j'ai été au Sud Kivu, vous avez les sièges du parti politique. Non, vous voyez un acteur politique qui a des ambitions de diriger ce pays seul ou en coalition avec les autres. Mais Martin Fayulu n'était pas doté de cette ambition et il vient de prouver à la face du monde qu'il était un acteur fabriqué de toutes pièces. Il y a une dernière des choses. Martin Fayulu se retire. A-t-il consulté les sociétaires de son parti politique ou c'est une décision unilatérale? Et ce que je trouve dommage, Martin Fayulu a bradé son droit d'aînesse de l'opposition à Moïse Katumbi à coup de billet. Parce que le plus grand problème de ce conglomérat des quatre, c'était qui va se retirer au profit de qui? Mais c'était ça la grande question. La question n'était pas encore sur la table de discussion. On n'a pas encore discuté sur qui va se présenter au nom de l'opposition. Il a tout simplement pris une position par rapport à ses convictions et à la position de son parti. On n'a pas à lier ça aux discussions qui n'ont même pas encore débuté. Ce sont des négociations qui ont eu en sourdine. Et toute la problématique, c'était... Vous avez des preuves sur ce que vous affirmez? Nous sommes des acteurs politiques. Nous lisons les faits visible et les faits invisibles. Nous avons cette latitude de comprendre les méandres du jeu politique. Donc, le problème, c'était qui va se présenter. Est-ce qu'on va rentrer dans la formule de Genève? Et Moïse Katumbi, justement, a réussi à acheter des partis politiques. Il en a fait, bien entendu, des sections de sa famille politique. Je vais vous poser cette question ensemble. Vous avez ici essayé de rappeler l'historique de Genval et comment est-ce que Martin Fayulu est arrivé à la tête ou encore est arrivé à être porté par cette plateforme Lamuka. Mais quand vous dites qu'il a bradé son droit d'aînesse ou encore il a bradé sa place des candidats, alors qu'en même temps vous dites qu'il est trop gourmand pour laisser la place aux autres, vous pensez vraiment qu'on peut mettre les deux ensemble, mélanger la gourmandise et je ne sais pas ce que vous appelez encore la traîtrise? Comment est-ce que vous expliquez les deux? Lui qui est gourmand, qui ne veut pas laisser la place aux autres et tout d'un coup qui décide de céder cette fois-ci, qu'est-ce qui a pu changer au fait? Selon votre conviction. Qu'est-ce qui a changé? L'argent peut changer tout. L'argent peut changer tout. Ça, un homme a décidé. Vous savez, lorsque vous avez les convictions, ce sont les convictions qui deviennent
par-dessus tout, les monteurs de notre vie. C'est à cause de mes convictions que je continue à poursuivre mon combat. Lorsque quelqu'un renonce à ses convictions, parce que Martin Fayulu devait se construire avec les élections de 2023. Okay. Un acteur propulsé par les autres, il fait son chemin en solo, il devait assurer, convaincre l'opinion qu'il est capable de faire son chemin seul, sans les autres. Mais là, il a échoué. Et il renonce à ses convictions, aussi de manière légère, soit-il. Voilà. C'est incroyable. Un homme qui lâche les convictions de toute une vie, juste de manière hasardeuse comme ça, vous pensez que derrière, il n'y a pas de dessous de casse. Donc, dans tout ça, Martin Fayulu a bradé son droit de naissance de l'opposition à coup de billet. C'est votre avis. Et je pense que cette décision marque la fin de sa carrière politique. Je suis un acteur politique averti. Regardons les faits. Dans 5 ans, dans 10 ans, on ne parlera plus de Martin Fayulu. Il vient Héritier. De jouer avec sa survie politique. Merci Héritier, ça c'est votre avis. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est quand même décevant de voir que Martin, il y avait une bonne partie de la population qui avait son espoir ou ses attentes dans ses candidats malheureux de l'élection de 2018 qui avaient depuis un certain moment donné de l'espoir aux Congolais. Il y avait qui croyaient qu'avec Fayulu, le Congo deviendrait grand et plus fort. Mais aujourd'hui, l'entendre prendre une telle décision, ça dit au moins tout le monde. Mais on va parler des arrestations dans cette émission. Il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'arrestations. Cyril Moulo, vous êtes juriste et vous êtes de ceux qui pensent que Tshisekedi fait bien les choses. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui s'est battu quand même. On a vu ces derniers temps, il y a beaucoup de ces tweets qui sont en train d'être exhumés sur les réseaux sociaux. On lui rappelle un peu ce qu'il disait autrefois contre Kabila lorsque ces genres d'actes venaient d'être posés sous le régime de son prédécesseur. Aujourd'hui, c'était d'abord Salomon Kalonda et puis Franck Diongo, mais quand même, vous ne trouvez pas que ceci commence à entacher cette lutte de Félix Tshisekedi qu'il a hérité de son père? Non, nous ne pouvons pas dire qu'il est en train de trahir la mémoire de son père. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est de l'arbitraire, tout ce qui s'est fait actuellement. Non, écoutez, à l'époque, on ne pouvait jamais attendre qu'on a interpellé quelqu'un du pouvoir. Les ministres, les membres du cabinet du président de la République, c'était des intouchables. Avec Félix-Antoine Tshisekedi, même si vous êtes, comme il l'avait déjà dit à l'époque, je pense qu'il est correct dans sa manière de se comporter. Mais à la fin, on sait comment ça finit. C'est la justice. C'est la justice. Ça veut dire que maintenant, au moins, nous savons que si vous avez un problème avec la justice, vous êtes dans le droit où vous êtes obligé de vous présenter et vous êtes dans le droit de présenter vos moyens de défense. Ça, c'est ce qui est tout à fait logique et normal et nous devons nous en réjouir. Par rapport aux interpellations actuelles, je pense que c'est difficile. Le changement est difficile. Hein? Dans un état où on était habitué aux hommes forts, aux intouchables, lorsqu'on arrive maintenant avec l'état de droit, dans un pays où n'importe qui peut être interpellé, je pense que les bons citoyens ne peuvent jamais mais s'agiter. Qu'est-ce qu'on reproche à Franck Diongo, sérieusement, à Salomon Escadé? Là, on entend cette histoire d'armes qui appartiendrait aux gardes du corps de Matata Ponyo, qu'on l'en cherche frauduleusement ou malencontreusement à attribuer à Salomon Kalonda. Et puis tout ça, vous ne trouvez pas que c'est vraiment du montage? En tant qu'exilaire de la justice, je suis pas obligé ou bien je ne suis pas dans le droit de vouloir entrer dans ce qu'il y a exactement comme... Non, mais nous faisons une lecture, nous essayons la de lecture, c'est quoi la sur lecture, ce qui s'est dit la et ce qui est le fait sur les faits à notre disposition. La lecture de faits est telle que quelqu'un, un citoyen congolais, a été interpellé par les organes compétents en la matière. Et cette personne-là n'est pas torturée, cette personne-là est gardée à un endroit connu. Cette personne-là
peut recevoir, ses avocats peuvent recevoir les membres de sa famille, cette personne-là est appelée à présenter ses moyens de défense. Nous sommes dans cette logique, nous devons nous habituer à cela. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, le Congolais, lorsque vous êtes interpellé, vous commencez à avoir peur. Si vous savez que vous êtes innocent, vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher, je vous dis que vous êtes à l'aise, vous partez, vous prenez connaissance des griefs qui vous sont reprochés et vous présentez vos moyens de défense. C'est tout à fait normal et logique. Nous devons nous habituer à cela. Je sais que 30 ans de Mobutu, 18 ans de Kabila, aujourd'hui, bon, on a du mal à s'adapter. Il faut accepter. Aussi, hein. Il faut accepter que les choses ont changé et ont changé dans le bon. Les choses ont changé dans le bon, Claude Ngoma. Selon entendre Cyril Moulomba, vous en faites un peu de trop. Vous râlez pour rien, même lorsqu'une souris bouge, vous pensez que être opposant, ça vous donne le droit de ne pas être interpellé ou inquiété lorsque, même quand vous commettez ce qui n'est pas autorisé par la loi. Mon cher Morgan, il faut comprendre. Les cas Salomon Kalonda, pour être beaucoup plus direct. Rien n'a changé, rien n'évolue. Comment ça? C'est la continuité du même système. Je vais vous démontrer, mon cher ami. Ici, j'interpelle les services de renseignement de notre pays. C'est notre service de renseignement. Ils ne doivent pas travailler pour satisfaire un con parce qu'ils sont payés par les contribuables congolais. Ils font bien leur travail, mais l'approche, c'est au niveau de l'approche qu'ils échouent. Mais pensez-vous que ces services qui sont payés par les contribuables... Laissez-moi finir. Laissez-moi vous ajouter une question avant de continuer. Vous pensez que ces services qui sont payés par les contribuables n'ont pas les droits de faire le travail pour lequel ils sont payés? Mais malheureusement, je vous ai dit qu'ils font le travail, mais l'approche, la façon dont ils possèdent... Cyril Moulomba donne ici un exemple très clair. Mais sous Kabila, il y avait des enlèvements. Je vais aller aussi dans des faits. Salomon Kalonda, vous savez, au moins... Je vais aller dans des faits. Aussi. Je vais aller dans des faits. Je vous en prie. Je prends le cas de M. François Béa. Interpellé pour coup d'État. Mais aujourd'hui, M. François Béa est où? Quelqu'un qui a menacé la sûreté de l'État. Il est en liberté, on lui a accordé une liberté. Mais justement, selon moi, je vous dis que nos services, leur façon d'opérer, nous laisse croire que c'est comme s'il y a une main noire politique derrière. Comment quelqu'un qui a menacé les intérêts de l'État, qui a menacé l'intégrité nationale, qui a menacé par un coup d'État, mais voilà, vous allez le faire sortir par une petite porte derrière. Non, mais il et aujourd'hui, il prend son café là-bas. Il lui a été accordé une liberté provisoire que tout le monde connaît. Mais quelqu'un qui a tenté à renverser le pouvoir, vous lui donnez la liberté, vous le graciez. Vous qui êtes praticien du droit, vous dites clairement que ça relève de la conviction du juge d'accorder la liberté aux prévenus ou aux détenus. Mais si c'est fait... Sous Tshisekedi, vous pensez qu'il y a une main noire? Laissez-moi aller toujours dans les faits. Allez dans les faits. Je vous en prie. Je vous dis, M. Didier Bidimbe, interpellé à l'année, passez une nuit à l'année. Sur un dossier de 250 millions. Non. Attendez, s'il vous plaît. Je vous en prie. S'il vous plaît. J'arrive. On n'est pas. Et s'il vous plaît, permettez à ceux qui nous suivent. Notre service est en train de travailler à double vitesse. Non. Permettez. J'interpelle. Vous ne travaillez pas dans le service secret. Et là, la question n'est pas liée à Didier Boudibou. Il ne faut pas mélanger les tomates et les piments. Non, si vous... Je vous en prie. Parlez de Salomon Kalonda. Je vous prends l'exemple de Salomon Kalonda. Voilà. Okay? Revenez à Salomon Kalonda. Comme vous voulez bien. Je vous en prie. Salomon Kalonda, le service a fait leur travail. Bravo. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qui a fait que le doute soit mis sur la place publique par la déclaration ou le communiqué du général, j'oublie son nom, celui qui nous avait... De la DEMIAP qui a communiqué sur la... Mais allez-y comprendre. Mais c'était une communication bidon, je vais dire. Mais est-ce que c'est... Quand déjà il vous dit qu'il y avait déjà un coup d'État qui était en gestation pour remplacer un Katangé à la tête, qu'est-ce que vous voulez que nous puissions comprendre? Mais lui-même, par cette sortie médiatique, il a vidé la substance de ses dossiers. Sont sérieux, mon cher ami. Comment ça? Moi, je ne vous suis toujours pas. Parlez d'une coup d'État en gestation et à laquelle on placerait à la tête un Katangé. Mais si cela est
et documenté. Donc les services de renseignement ont failli. Là, un Katangé, mais qui est ce Katangé? S'il vous plaît. Si les services sont parvenus ou encore sont tombés sur les documents qui attestent ces propos, vous pensez que cela ne valait pas la peine d'être communiqué à la population? Non. La procédure ne voudrait pas. Il fallait laisser d'abord l'instruction continuer à l'ombre de la justice. Mais c'était peut-être pour calmer les esprits, non, parce qu'il y avait beaucoup de spéculations autour de cette arrestation. C'est là où je vous dis que arrestation. Nos services de renseignement, ils doivent être professionnels. Je les interpelle. C'est dans mon rôle étant qu'opposant. C'est un service d'intelligence qui travaille nuit et jour pour l'intérêt primo de la République, pour sécuriser l'État. Mais s'il n'arrive pas à la hauteur, qu'est-ce que nous allons faire? C'est notre devoir étant que politique. Mais expliquez un peu le professionnalisme dont il est question ici. Il s'agit de quoi exactement? Parce que ces services, pour qu'ils arrivent à appréhender quelqu'un, qu'ils arrivent à mettre la main sur quelqu'un, c'est qu'il y a une certaine crédibilité qu'on peut accorder à ces services, un certain niveau de sérieux. Il y a ceci. La sériosité que moi je demande à nos services de renseignement. Quand vous, même aujourd'hui, on m'interpelle. Une fois, je suis dans le locaux pour interrogation, tout. Mais déjà, les services doivent faire un grand travail pour calmer l'ardeur. Calmer l'ardeur, c'est quoi? On a interpellé X messieurs pour telle raison. Mais c'est tout. C'est ce que la DME Mais aujourd'hui, dites-moi, monsieur Franck Diongo est interpellé pour quel dossier? Vous avez ici. Parce que jusqu'au vous avez ici condamné la communication de la DME. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous, personne ne sait la raison de l'interpellation de monsieur Franck Diongo. Est-ce qu'il ne vaudrait pas qu'on attende que le travail soit fait pour que l'on sache réellement de quoi est-ce qu'on lui reproche? Vous ne pensez pas qu'on est peut-être... Non, déjà, quand on met la main sur vous, c'est-à-dire en amont, les services travaillaient déjà. Vous étiez déjà poursuivi pour un fait. Ouais. Voyez-vous? Et une fois on a mis la main sur vous, voilà, on doit maintenant rendre cette information publique que M. Diongo est interpellé pour tel fait. Je vais vous poser une question directe, Claude Ngoma. Très sérieusement, vous pensez vraiment que Franck Diongo ici représente quel danger pour Tshisekedi, pour qu'on l'arrête de manière arbitraire? Non, moi je ne suis pas de renseignement militaire. Non, mais parce que vous dénoncez son arrestation. J'aimerais que vous me disiez... Je ne dénonce pas son arrestation. Je demande tout simplement à nos services de pondre un communiqué que voilà, M. Franck Diongo est interpellé pour tel fait. Point barre. Mais c'est là où je ne comprends pas. Quand on communique pour le cas Salomon, vous n'êtes pas d'accord. Non, on ne veut pas communiquer pour... aller jusqu'au fond. Juste le motif. Non, mais pas aller jusqu'au fond. Juste le motif. Non, je n'ai pas vu ce que... On interpelle Claude Ngoma pour avoir diffamé. Ok. C'est tout. Ça calme l'ardeur. Attendons peut-être le bon moment. Mais aujourd'hui, tous, sur le dossier Franck Diongo, on est en train de spéculer. Tantôt l'arme, tantôt. Il n'y a pas un communiqué officiel. Nous disons que Franck Diongo est interpellé pour tel fait. Et à cela, moi, j'ai le droit de réserve. Vous avez le droit de réserve. Attendons peut-être dans les 48 heures ou 72 heures qui suivent, les services pourront encore communiquer. Héritier Ngassi. C'est pratiquement du bonnet blanc, blanc bonnet. Rien n'a changé sous Kabila ou sous Tshisekedi. C'est la même chose. On interpelle, on arrête, on enlève de manière arbitraire, selon Claude Ngoma. À quoi auraient servi tous ces combats, toute cette lutte des 37 ans qu'il devait s'amener dans ce pays? Aujourd'hui, son fils, le fils d'Étienne Tshisekedi, tant idéologiquement que biologiquement, est à la tête du pays. Et c'est de l'arbitraire qui continue, selon les éléments brandis ici par Maître Claude Ngoma, qui est également un juriste. Si vous le dites, comme il le dit, il serait contredit par Franck Diongo lui-même. Comment ça? Parce que Franck Diongo a subi un traitement dégradant, inhumain. Il venait même comparaître mourant, sur une chaise roulante. Si vous allez sur Triomphal, vous allez voir devant son parti MLP une grande affiche. Franck Diongo sur chaise roulante avec l'impane devant un tribunal.
Qu'est-ce qui a changé en fait? Il est arrêté également, il peut tomber aussi malade à l'hôpital, à la prison. Non. Et puis on va voir le même scénario. Il a été torturé, séquestré. Il a subi un traitement inhumain et dégradant. C'est comme ça qu'il s'appelle lui-même. Est-ce que vous savez dans quel état il est maintenant? C'est comme ça qu'il s'appelle lui-même héros vivant. Est-ce que vous savez dans quel état il se trouve maintenant? Kabila a créé beaucoup d'héros vivants. Vous savez dans quel état il se trouve maintenant? Parce que vous ne pouvez pas affirmer qu'il n'est pas torturé du moment où vous ne connaissez pas dans quel état il se trouve. En ce que je sache, ouais. Il a des avocats. S'il a subi un traitement inhumain, dégradant, nous l'aurions su. On ne peut pas comparer les temps Kabila, ces régimes de prédation, de terreur et intolérants à celui de Félix Tshisekedi. Mon frère ici connaît, ça veut dire quoi la brutalité barbare du régime de Joseph Kabila. C'est lorsque nous marchions pour réclamer, en 2015 notamment. Là, à l'époque, vous étiez avec Kabila. Non, on a quitté Kabila depuis 2012, au mois de février. Ah, moi, j'étais à cette époque-là, j'étais dans la dynamique de l'opposition. Donc, je connais Franck Diongo très bien. Je connais Tshisekedi très bien parce que nous étions dans les combats ensemble. En 2015, lorsque nous marchions pour réclamer les 12 janvier 2015, Évariste Ebochabe vient à l'Assemblée nationale avec les projets de loi portant révision de la loi électorale. On tente de faire un bras de fer, on coupe le signal d'une chaîne de télé qui avait diffusé notre manifestation du 18. Du 19. Mais sous Tshisekedi, on a tout simplement l'impression que ça a changé un peu de coloration. C'est toujours la même. À l'époque de Kabila, c'était la terreur. On tirait à bout portant sur les manifestants, on récupérait les corps et les services les enterraient. On tuait des Congolais, on nettoyait les sangs par du sable. C'est peut-être ça qui a changé un peu, mais les arrestations. Vous dites ça a changé un pays. Selon mon constat, mais voulez-vous que je vous peins un tableau des cynismes qui ont été abattis depuis 2011 à 2016 On y va. On sait que décembre 2011, parce que vous voulez les statistiques. Décembre 2011, 24 personnes tuées. Lors de la contestation des élections, du résultat des élections. Ça, on sait, mais on ne parle pas de ça. Vous savez, on continue. On déplore plutôt 19 janvier cette au façon 12... de faire qui est en train de s'être perpétrée. S'il vous plaît, nous sommes des scientifiques, nous sommes des intellectuels. Oui. Lorsque nous sommes en train d'analyser un fait, la propagation d'un fait, son évolution, nous devons avoir des éléments objectivement vérifiables. C'est quoi? Les nombres d'arrestations, les nombres de personnes tuées par répression des marches, c'est à partir de ça. Ce sont des indicateurs objectivement vérifiables qui pourront nous dire que le ton de Kabila est mieux que celui de Tshisekedi. Mais moi, je vous donne des statistiques. C'est là où je trouve que ça a un peu changé. Parce que ça n'a pas été changé, ça a totalement changé. Il y a également des gens qui sont en prison. Il y a une manifestation. Il y a des opposants qui sont en prison. Il y a une manifestation qui a été organisée ici, de l'opposition. Zéro mort. Sur toute l'étendue du territoire. Zéro mort. Nous saluons le professionnalisme de la police. Il y a quelques escarmouches qui, du reste, ont été réprimées par la justice. Sous le temps de Kabila, un officier tué et il était monté en grade. Un sous-officier tué et le lendemain, vous apprenez qu'il est devenu officier supérieur. On encourageait la brutalité. On encourageait la barbarie légale. Mais sous le temps de Félix Tshisekedi, vous êtes coupable des faits répréhensibles. Vous êtes mis devant la justice. Il y a un changement. Mon frère, aux États-Unis d'Amérique, la police se mécomporte. Mais tout passe dans la philosophie de l'État. Comment on prend en charge ce comportement? Dans un État dirigé par un voyou, on encourage ces gens. Dans un État dirigé par un démocrate, on les arrête. C'est ce que nous faisons. Okay. S'il y a de barbarie, parce que lorsqu'il y a répression dans une manifestation, ça procède de deux logiques. Première logique, je vais revenir sur le cas Diongo. La première logique, c'est que l'État veut imposer la terreur. Et pour imposer la terreur, il faut tuer. Voilà la question que je vous pose. Deuxième, lorsque les agents de l'ordre sont attaqués par manque de professionnalisme, ils font une riposte
disproportionné de la force et il y a des dégâts. Et dans ce contexte, dans un État démocratique, il faut arrêter ces éléments, les placer devant les juges naturels. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, il y a un changement radical d'attitude, de comportement et d'idéologie. Héritier Ngaché, avant que j'en arrive à Maître Cyril, la question que j'aimerais poser, c'est celle de savoir, toutes ces personnes arrêtées ou interpellées ou enlevées selon les camps. Laissez-moi finir, mais je dis bien selon les camps. Parce que vous savez, l'autre camp dit jusqu'à présent qu'il y a eu enlèvement. Enlèvement de Franck Diongo, voilà. Salomon Kalonda est bien connu. Son domicile également. Et Franck Diongo, bien évidemment. Mais pourquoi est-ce que notre justice n'a pas procédé de manière, je dirais, formelle, c'est-à-dire envoyer une convocation ou, une invitation s'il y avait nécessité d'entendre l'individu ou les concernés? Pourquoi procéder de cette façon un peu à l'ancienne? C'est ça ce qu'on déplore ici. Hein, même. Ah, ok, donc c'est la façon qui vous dérange. Non, mais c'est la question. Lorsque nous essayons de porter les questions de ceux qui ne savent pas vous atteindre. Non, mais c'est lorsque vous êtes dans les cas d'une infraction flagrante. C'est quoi la flagrance ici dans le cas Diongo, par exemple? Le cas Diongo, par exemple, nous avons appris que Franck Diongo serait coupable d'une infraction, d'une participation à une association de malfaiteurs et qu'il viserait un coup d'État contre le chef de l'État, et qu'il est à la tête de la cellule stratégique qui orchestrait ces coups d'État contre le président de la République. N'est-ce pas qu'il y a flagrance? Parce que on apprendrait que les révélations ont été faites par Salomon Escadela, mais aussi à travers les téléphones qu'il détenait par devers lui, parce qu'il avait quatre téléphones des appartenants. L'éditeur conditionnel, là, il y a absolument, pas... absolument, alors, absolument, 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 je dois les dire au conditionnel, sur les quatre téléphones des appartenants à Moïse Katumbi, parce que lui et Kamitatu ont aussi pour travail de transporter les téléphones de Moïse Katumbi. Voilà, parmi les deux téléphones, bon, on a eu deux éléments qui ont, bien entendu... Vous êtes un peu trop choquant. Qui ont amené, mais ce sont des vérités, c'est connu de tous. Non. Quand je le dis sur ces plateaux, c'est un problème. Est-ce une offense? Voilà. Laissez-moi... Mais les gens sont payés pour transporter les téléphones. Laissez-moi poser... Il n'y a pas de sommet, mon frère. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a Maître Cyril... Quelqu'un transporte un téléphone pour quelqu'un d'autre. Merci, Héritier. On a compris. Il y a Maître Cyril qui manie. Qu'est-ce que vous vouliez placer comme mot par rapport à la procédure ici qu'on déplore dans les cas Kalonda et Diongo? Oui, je voudrais dire seulement à mon ami de Nouvel Élan que... Maître Claude Ngoma, Maître votre Claude confrère. Ngoma, confrère, cher opérateur politique comme moi, je vous demanderai simplement de constater que les choses ont effectivement changé dans ces pays, dans la manière de le gérer. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, nous débattons. J'ai aimé là où vous dites que, bon, voilà, ce que nous voulons, c'est le professionnalisme. Donc, c'est que déjà, le travail se fait, mais il faudrait y ajouter du professionnalisme. Au contenu qu'il faut donner au professionnalisme. Donc, vous reconnaissez qu'il n'y a pas du professionnalisme, selon ce que lui a dit, vous appuyez son avis. Non, je dis. Déjà, l'avancée, c'est quoi? C'est qu'ils font leur travail. Mais ils considèrent, lui, qu'ils ne sont pas professionnels. Okay. C'est comme ça que je dis, bon, ça c'est selon lui. Okay. Mais le professionnalisme dont on parle, il faut donner un contenu. Lorsque, vous savez, les secrets de l'instruction, vous l'avez dit vous-même, il y a eu un couac parce que il y a un OPJ pratiquement qui communique. Il a communiqué, en tout cas, tout le monde a déploré de cette manière. Comment est-ce que depuis quand on communique? Bon, c'est une première dans l'histoire. Est-ce qu'il a dit la vérité ou il n'a pas dit la vérité? Par rapport à la procédure, il revient maintenant aujourd'hui au juge naturel de M. Salomon de dire le droit, voilà, de rétablir la vérité juridique ou la vérité judiciaire. Donc en ce moment-là, tout le monde doit s'apaiser. Alors, par rapport au dossier Franck Diongo, oui. De quoi est-ce qu'on reproche? Voilà, maintenant on ne communique pas, ça devient des spéculations. Et les commentaires vont dans tous les sens. Et ça, on ne sait pas, on veut une chose et son contraire. Ok?
Mais s'il a été interpellé et qu'il a été interpellé de manière irrégulière, il a des avocats qui peuvent brandir ces éléments-là pour démontrer. Mais si, par exemple, on vous dit qu'il a reçu plusieurs convocations et il a refusé d'aller se présenter. Je disais tout au début de l'émission que nous avons la chance de vivre maintenant un État où il n'y a pas des intouchables. Vous êtes citoyen congolais. On sera finalement vous compte que c'est vous... plus l'opposition qui est un peu... Bon, avant, il n'y avait pas les gens de pouvoir. Aujourd'hui, il y a plus l'opposition, comme vous le dites, ça ne vous engage que vous. Mais il y a aussi les gens de pouvoir qui font aussi la prison. On ne se limite pas simplement à l'interpellation. Vous imaginez, vous voyez Vital Kamerhe en prison. Pendant autant d'années. Mais le procès Kamerhe, en tout cas, je n'ai pas besoin qu'on en parle, pour vous dire que les choses ont changé. Maintenant, il y a toujours des avis. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est jeudi. Mm-hmm. Et que selon l'une des communications de nos amis de l'opposition, ils sont censés être. Dans la rue. Ils sont censés être quelque part. Je me demande s'ils sont là. Mm-hmm. Chers amis de l'opposition, changez. C'est vous qui devez changer la technique de l'opposition. Finalement, Claude Mouma, on ne sait pas vous êtes quelqu'un. Je vais terminer. C'est un conseil que je donne encore à mon ami de l'élan. Nouvel élan. Chers amis, s'il y a des gens qui doivent changer, c'est l'opposition qui doit changer la technique. La technique de 37 ans pour avoir le pouvoir, ce n'est pas la même technique qu'il faut utiliser maintenant. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre dynamique. Il faut voir comment aborder les questions pour effectivement jouer son rôle de politicien. Sinon, vous allez tournoyer, vous irez nulle part et finalement, on dira que vous ne savez pas ce que vous faites et ce que vous voulez. En tout cas, Claude Ngoma, il y a un ami qui me dit que la difficulté avec l'opposition, c'est qu'elle a affaire à un ancien opposant qui connaît pratiquement toutes les stratégies de l'opposition, qui sait comment créer le buzz, qui sait comment brûler, comment... Et on ne sent pas votre efficacité. D'ailleurs, Cyril Moulomba vient de le rappeler qu'aujourd'hui, c'est jeudi. Maintenant, nouvelle langue, vous vous placez où exactement? Très bien, je veux venir, mais laissez-moi un peu compléter mon ami Eric Ngachi et mon confrère. S'agissant de l'interpellation, comment le service de renseignement et de sécurité, pour interpeller quelqu'un, une personne, ils n'ont pas de mandat à émettre. Ils n'ont pas de mandat. Okay. À tout moment, ils peuvent mettre la main sur quelqu'un, donc, sur un des déjà, vous videz... S'il y a des greffes qui pèsent sur lui. Voilà, déjà, mais là, vous venez ici vider dans les cours et tribunaux, la substance dans de ceux qui pensent que c'est de l'arbitraire. Mais dans les cas sous examen ici, nos services, s'ils estiment que Claude est menaçant, directement, ils viennent m'interpeller. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc ça, c'était une précision. Merci. Alors, merci. Il faut comprendre un peu l'opposition aujourd'hui en RDC, l'opposition est plurielle. Vous décevez finalement avec votre pluralité. Non, depuis la nuit des temps, il faut comprendre que même l'indépendance du Congo, nous l'avons eu sur fond de la résistance. L'UDPS 37 ans au pouvoir, ils ont combattu la dictature, ils ont beau militer pour l'état de droit, pour donc voilà la démocratie. Mais aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, ils ont oublié que par le passé, ils ont perdu leurs frères, ils ont perdu des militants, des compagnons de lutte. Mais voyez maintenant le comportement des UDPS dans le pouvoir. Un, l'intolérance. Comment ça, vous critiquez à longueur de jour? Par le passé. En tout cas, je ne connais pas un seul président qui est insulté comme Tshisekedi. Monsieur fait, qu'est-ce que j'ai dit? Par le passé, monsieur Joseph Kabila était insulté à tout le monde. C'est pareil pour Tshisekedi d'ailleurs. Non. Et c'est que. Et aujourd'hui, quand vous appelez Tshilombo, monsieur le président Tshilombo, on vous voit d'un mauvais nez. On ne pourra vous l'appeler Tshilombo. Mais c'est l'intolérance. Pourquoi vous aussi, vous ne voulez pas l'appeler Tshisekedi? Mais c'est son nom. Non, mais dites-nous un peu, pourquoi est-ce que vous ne voulez son pas vrai nom, l'appeler son vrai nom, on c'est sait, monsieur Félix on sait, Antoine on sait que, Tshilombo. On sait que le patronyme de Félix Antoine Tshisekedi, c'est le nom de la famille que l'on connaît, c'est Tshisekedi. Pourquoi est-ce que ça vous dérange de l'appeler Tshisekedi? Son nom, son vrai nom, c'est Tshilombo et Tshisekedi, c'est son poste. Je n'en conviens pas. Pourquoi est-ce que ça vous gêne ou ça vous dérangerait de l'appeler Tshisekedi?
Moi, j'ai j'avais peur de la de l'élire à. Attendez, à son, moi j'ai su peur. Mon poste nom c'est Baka. Quand tu m'appelles Baka, c'est pas moi. Appelez-moi par mon nom. Ta famille, on peut t'appeler Claude Baka, ça ne dérange pas. C'est bon. Mais tu sais que dit a son nom. Son nom c'est Félix Antoine Chilombo, tu sais qu'il dit. Vous êtes terrible de l'opposition. Mais c'est ça son nom. Il s'est pas fait enrouler en ce nom-là. Il s'est fait enrouler comme cher ami. La raison pour laquelle nous l'appelons Monsieur Chilombo. Là n'est pas le débat. Ce n'est même pas le débat. Là n'est pas le débat. Revenons à nos moutons, Ngoma. Alors, on parlait encore, voilà. On parlait de la procédure et des circonstances qui peuvent pousser les services à interpeller. Oui, justement, je venais de dire tantôt que pour interpeller quelqu'un où on doit envoyer des invitations, c'est au niveau du parquet et des cours et tribunaux. Dans le là, vous avez déjà expliqué, oui, là, mais déjà vous étiez sur l'intolérance. Vous parlez de l'intolérance. Voilà. Vous allez vous présenter. Vous parlez de l'intolérance. Ouais. Voilà. Dans les cas du service des renseignements, si seulement ils ont des éléments très graves sur vous, on vous interpelle. Donc, ce qui est fait pour Diongo ou pour Escadela, c'est logique, c'est légal. Alors, merci là, beaucoup. J'entends directement le dossier Matata. Non, finissez d'abord de l'intolérance dont vous avez parlé ici. Vous étiez en train d'évoquer l'intolérance du régime. L'intolérance du régime, c'est quoi? Ils veulent nous obliger tous à voir dans la même direction. Il y a des amis, nous prenons le verre à côté. Ah, Motolanga, yo, bino, Foboyaga, yo, secret. Parti État. Est-ce que ce sont des personnes habilitées à vous inviter dans l'Union? Non, ça s'est dit partout. Ça peut être des sentiments d'un individu. Soyez du bon côté. À tous les niveaux. C'est peut-être des individus. Voilà même le slogan. Soyez du bon côté de l'histoire. Venez, on vous attend. Alors que Hitler, à l'époque, l'État nazi se disait aussi être du bon côté de l'histoire. C'est pas vrai. Non. Mais c'est pas à comparer quand même avec ce qui s'est passé. Mais je vous dis, ici, il n'y a pas question d'être du bon côté de l'histoire. Ici, c'est la République. Si M. Félix Antoine Tshilombo gère bien fait ses prouesses, mais moi, étant qu'opposant, je dois féliciter. Parce que quand il est allé en Chine... Ça, on l'a vu avec Mouzito. Quand le président est allé en Chine, voilà. Il n'est pas allé en Chine pour le compte de Maman Marthe. Il n'est pas allé en Chine pour le compte privé. Mais il est allé en Chine pour le compte de la République, pour l'intérêt de la République. Moi, j'ai salué cela. Ok. Donc, il faut comprendre la politique et l'opposition de Nouvel Élan. Quand ça va dans l'intérêt de la République, on sait féliciter, on sait soutenir. Mais quand ça dérange les intérêts de la République, ou les intérêts de la République, voire même menacés, ça, et là, vous allez nous retrouver. Là, donc, vous c'est allez... ça notre position. Et Nouvel Élan, aujourd'hui, est venu changer les paradigmes politiques de l'opposition. Parce que les quatre leaders de l'opposition ne vous reconnaissent pas ou ne vous comptent pas dans leur rang. Et le côté pouvoir, l'Union Sacrée, vous êtes là en train de cracher sur l'Union Sacrée. Donc, vous êtes nulle part. Vous êtes où? Parce que la logique actuellement voudrait que l'on soit quand même dans un courant politique ou que l'on soit dans un camp pour qu'en cas de... d'élection, qu'on sache comment s'identifier. Non, en ce net moment, nous sommes seuls. Pourquoi nous sommes seuls? Seuls contre tous. Oui, pourquoi nous sommes seuls? Nous avons posé les préalables. S'il faut faire des alliances, nous devons faire des alliances sur base d'un programme, d'une offre politique. On ne peut plus continuer à faire des alliances autour des individus et des personnalités. Parlons République, qu'est-ce que vous comptez faire pour la République? Quelle est votre offre politique? Ça, et discutons de ça, c'est faisons une mise en commun, sortons un communiqué de gouvernance, qu'est-ce que je veux dire, un programme de gouvernance. Ça, c'était avant où vous l'avez compris maintenant qu'il faut faire des alliances sur base des programmes, parce qu'on a vu Adolphe Mouzito soutenir Fayoulou ici sans nous donner des explications claires vous sur ses pourquoi? Motivations. Vous savez pourquoi la Mouka a été créée sur fond de la résistance? Et quand on dit la résistance, c'est les pieds. Or, les pieds ne réfléchissent pas. Ah, c'est la tête. Pourtant, aujourd'hui, vous vous réclamez tous de la résistance. Il y a Joseph Kabila qui est sorti et a demandé à ses lieutenants d'être dans la résistance. Non. Vous également, vous voulez résister. Fayoulou veut résister. C'est tout le monde qui veut être dans la résistance. La résistance, aujourd'hui, a fait que 63 ans après, la République démocratique du Congo piétine. Ok. Parce que, est-ce que c'est la résistance quand on est opposant, il faut être résistant. Et quand on dit résistance, vous n'avez plus besoin de la tête. Donc vous parce qu'il faut résister avec les pieds. Tout. Il faut résister avec les pieds.
Or, aujourd'hui, tout ce que vous pouvez obtenir par la pression de la rue, vous pouvez l'obtenir par un stylo et un bout de papier. Ok. Ça, je salue. Personne ne peut renier sur ce plateau la force de la prime qui est en train de faire ces gens. Et donc, nous, Nouvelle Langue, nous avons compris cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Même vous, les journalistes, il faut aborder des questions existentielles dans le plateau. La question relative à la décentralisation, la question relative au travail des jeunes, à l'emploi des jeunes, la question relative au SMIC. Vous verrez, ici, sur ce plateau, Rousseau Moutou Bandoluka Batoubaouyate. Parce qu'ils ne viennent que parce qu'il s'agit de la vous connaissez vous-même que vous fouillez lorsque... Non, parce qu'ils viennent trop souvent pour des parce qu'il s'agit de l'actualité. Mais si vous mettez des thématiques existentielles de l'État, vous verrez que vous allez souffrir pour monter les castings. Merci, Claude Ngoma. Et c'est ça notre position de Nouvel Élan. Nous allons conclure des alliances, mais sur base d'un programme. Donc, celui vous irez aux élections en alliance ou vous irez seul, si jamais, jusqu'à, je ne sais pas, quand est-ce que la campagne va commencer selon le calendrier, jusqu'à en novembre, par exemple, si il n'y a pas un candidat qui vous convainc, donc Nouvel Élan va aller seul. Oui, parce que nous estimons que nos idées sont sérieuses. Notre position est totale. Notre offre politique est le meilleur. Okay. Personne d'autre n'a proposé. Je mets même l'Union Sacrée, mes amis de l'Union dite Sacrée, en défi qu'ils me proposent ce qu'ils ont déjà conçu. Votre offre politique est la meilleure, ça on retient de vous, qui estimez que vous êtes mieux que les autres et vous voulez conclure des alliances sur base d'un programme qui convainc. Voilà. Alors nous allons changer de sujet pour finir cette émission parce que là nous sommes en train de chuter. En tout cas, entre Matata et Mouzi, qu'est-ce que j'ai dit? Matata et Bahati, les torchons brûlent. Selon Matata Ponyo, d'après son dernier point de presse, après avoir déposé sa plainte contre le président Bahati, il estime que Modeste Bahati est un ingrat, selon le propos, parce qu'il estime que c'est lui qui l'a accepté dans son gouvernement, et que son comportement ou certaines de ses habitudes ne faisaient pas de lui quelqu'un de bien pour qu'il soit accepté au sein du gouvernement. Et que tout ce qu'il est en train de faire actuellement, il joue le jeu de Félix Tshisekedi parce que Matata, selon lui, selon toujours ses propos, il est le candidat sérieux, le seul face à Félix Tshisekedi. Et c'est pour cela que Bahati, étant déjà clair sur sa position envers Félix Tshisekedi, il milite pour obtenir tout simplement l'éradication de Matata à la présidentielle de 2023. Éric Tsengash. Je vais d'abord commencer par dire un petit mot à mon aîné Ngoma. Je vous en prie. S'agissant de la résistance, vous le savez très bien, la résistance évoque un régime qui s'oppose, c'est-à-dire un peuple qui s'oppose à un régime étranger. Okay. Vous allez par exemple au Liban, nous avons fait la résistance pour obtenir l'indépendance. Parce que nous étions dirigés par... Mais lorsque tous les opposants aujourd'hui parlent de la résistance, ils le disent sans connaître les contenus. Joseph Kabila a aussi demandé... Surtout celui-là. C'est surtout celui-là. Aux autres résister. Celui-là devait... Résister à la dictature. Il devait boucler. Félix, c'est qu'il devient dictateur. Kabila avait dit... Kabila dit qu'il faut s'exprimer lorsque les paroles sont plus fortes que les silences. Mais il s'est exprimé. Nous nous sommes rendus compte que son silence valait la peine. Donc il devait se taire à tout jamais dans toutes les langues. Voilà. Et puis parler de la résistance, je l'ai dit. La résistance, c'est quand vous opposez à un régime, avançons, on a plus assez de régime temps. Étranger. Vous allez par exemple au Liban. Lorsque le Liban a été occupé par l'Israël, le mouvement Hezbollah résistait contre l'occupation israélite au Liban. C'est ça. Peut-être ça a le sens dans la mesure où l'Amouda considère que nous sommes sous occupation. Félix Tshisekedi a un Félix Tshisekedi a un père et une mère congolais. Ils habitaient ici à Limité. Non, mais parce que selon Fayoulou, il est peut-être congolais, mais il favorise encore, il a ouvert le couloir à l'occupation. On a parlé de la résistance lorsque la France a été occupée par l'Allemagne. Ce concept est apparu au lexique des sciences politiques pour exprimer un peuple qui s'oppose à un pouvoir étranger. Merci, ils disent des choses. D'éclairer la lanterne de ceux qui. Je reviens sur ce que vous venez de dire. La question Matata.
Bahati est un ingrat. Matata Pou ne veut d'étaler davantage. Nous l'avons connu par son expertise dans les mensonges, mais là, il vient de donner une autre casquette de lui. Les mensonges. Laquelle? Quand il a commencé par les histoires des douilles, des experts en balistique, moi qui vous parle, je suis moi-même expert en armes légères et petit calibre. Ah bon? Aussitôt, oui, aussitôt. Mon aîné le sait très bien. Mmh. Aussitôt que Matata Pou ne s'est exprimé, je me suis mis à rire aux éclats. Et il a été contredit. Premier mensonge, douille. Deuxième mensonge, il vient avec ces histoires de professeurs, la paye des professeurs. Or, nous savons, le seul premier ministre qui a laissé 2 000 $ au professeur, c'est Mouzitou. Okay. Et lui dit qu'il a donné 2 500. Il a été contredit par Loubo, qui est le président de la Poukine actuellement. Donc, quand un premier ministre ment, et ment sans vergogne, et il est contredit rapidement par les membres de la société, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. En réalité, il devait être couvert de honte. Un homme d'État, un homme, un républicain comme lui, mm-hmm. qui ment et aussitôt il est contredit par les autres. Revenons au sujet. Voilà. Maintenant, au-delà du fait que. Pourquoi est-ce que Modeste Bahati tient à tout prix à voir Matata être non partant aux élections. Matata Pogno étale certes son ignorance, notamment les connaissances élémentaires à droit administratif. Lorsque vous parlez de la levée des immunités, lorsque vous êtes dans une session, cette compétence... Selon une correspondance que nous avons, excusez-moi, c'est que les immunités ont été levées depuis 2021. Le professeur Modeste... Il serait à la disposition de la justice depuis 2021. Absolument. Mmh. Le bureau du Sénat, le bureau est composé de 7 membres. Quand on parle du bureau, il ne faut pas voir le professeur Modeste Bahati. C'est 7 personnes. Mais lui pense que c'est lui qui a le veto sur le bureau et c'est lui qui influence les décisions du bureau. Alors, si tel est le cas, Matata Pou ne se moque de ses collègues, de ses pairs qui sont dans les bureaux, qui sont devenus, en guillemets, les enfants des courses du professeur Modeste Bahati. Ce sont des personnalités à part entière. Un bureau de l'Union Sacrée, selon lui. Ils siègent valablement, selon leurs compétences, dans ces bureaux. Donc, ce ne sont pas des décisions unilatérales. Si le professeur Modeste Bahati prenait des décisions unilatérales, il serait contredit par les autres membres du bureau. Avez-vous entendu un seul membre du bureau contester la décision de ces bureaux? Pas du tout. Donc, les décisions sont prises de manière collégiale. Il y a un communiqué qui a été publié depuis le 20 juin dernier par les bureaux du Sénat, qui explique que depuis le 5 juillet 2021, Matata Pogno a été à la disposition de la justice. Il n'est pas allé à la justice du fait de la volonté du Sénat. Du fait de mais la volonté... Mais pourquoi est-ce qu'il s'en prend en Modeste Bahati? Mais c'est une diversion. Matata Pogno veut tout simplement tirer des choses à longueur et il tire sur des mauvaises cibles, malheureusement. Le Sénat avait décidé, le 5 juillet 2021, sur base du réquisitoire du procureur, parce que Matata Pogno est allé là-bas sur base de ces réquisitoires. Il a été placé à la disposition de la justice parce que le Sénat ne peut pas faire obstruction à la justice. Sinon, le Sénat entrerait en rébellion vis-à-vis de la justice. Le Sénat a mis Matata Pogno à la disposition de la justice. Il fallait, lorsque la justice serait satisfaite de son travail, elle devait produire un autre document, une décision finale, qu'elle adresserait au Sénat, au bureau du Sénat, pour dire le sénateur Matata Pogno peut recouvrir ses immunités parce que nous avons fait ce qui était en notre droit et nous estimons que nous n'avons plus besoin de lui à ces moments. Le principe de parallélisme est des fonds et des formes. La personne qui appelle, c'est la personne qui doit demander de revenir. Il y a un réquisitoire qui a invité Matata à la justice. Voilà, héritier. Il fallait qu'il y ait un autre document qui lui permette de recouvrir ses immunités. Et le professeur Modeste Bahati, voilà, républicain qu'il est, il attend cette décision de la justice. Là où moi-même, qui n'est jamais atterri dans son là où je me perds un peu, c'est lorsque le même procureur, oui, okay, revient à charge pour demander encore des poursuites, solliciter l'autorisation au Sénat pour poursuivre Matata Pogno, alors que selon vous ou selon la procédure, il devrait commencer par notifier au Sénat que j'en suis au dernier moment ou encore j'en ai fini avec mon intéressé, oui, et que maintenant il peut devenir ou encore recouvrir la casquette du sénateur. Oui. Mais cela n'a jamais été fait, mais pourquoi est-ce que le procureur revient encore
au Sénat pour solliciter cette question, là où peut-être Matata pense que c'est du boutiquage. Cette question ferait mieux d'être adressée au procureur puis la Cour de cassation. Non, mais en réfléchissant, il nous revient pas. Vous êtes bien introduit et vous avez quand même des notions. Vous êtes un intellectuel. Réfléchissons. Vous avez ici présenté la procédure qui devrait être faite pour que finalement Matata redevienne sénateur. Il est sénateur, mais qu'il recouvre ses immunités. Il recouvre ses immunités de sénateur. Oui. Mais aussi longtemps que cette procédure n'a pas été enclenchée, encore cette notification n'a pas été, excusez-moi, permettez la tautologie, notifiée au Sénat, au bureau du Sénat. Au nom de quoi le procureur va encore revenir pour demander, solliciter encore qu'il poursuive? Est-ce qu'il avait oublié? Est-ce qu'il y a une erreur ou c'est tout simplement un boutiquage qui n'a pas été bien ficelé? Je pense que le procureur, celui qui venait de procéder, de demander, de faire ses réquisitoires, n'est pas celui qui l'avait fait à l'époque. Ce n'est pas les mêmes. Non, mais est-ce que dans le cadre de la continuité des affaires... Absolument. Il n'a pas été notifié du dossier aussi important que celui de Matata. Absolument. C'est toute la beauté même de la séparation du pouvoir. Mm-hmm. Les pouvoirs judiciaires qui avaient demandé à l'époque que Matata Ponyo soit placé devant lui, cette même justice devait notifier le Sénat pour dire nous avons fini avec lui. Mais s'il ne l'a pas fait, alors cette question mérite d'être posée au procureur. Donc Matata a une bonne raison de s'inquiéter. Alors, il ne devait pas orienter ses attaques, il ne devait pas tirer à boulet rouge sur le procureur. Il a très mal orienté ses tirs. Il devait s'attaquer au procureur. Pour la cour de cassation pour dire vous l'avez déjà fait, on n'a pas bouclé, mais pourquoi vous sollicitez à nouveau la levée de mes immunités? Les immunités qui ont été levées ont été déjà recouvertes, donc c'est tout ça le problème. Il devait s'attaquer au procureur près de la cour de cassation. Une question avant de continuer, est-ce que la notification du recouvrement des immunités devrait être adressée à Matata Ponyo en tant qu'individu ou sénateur, où cette notification devrait parvenir au bureau du Sénat? Principe de parallélisme des fonds et des formes. Le réquisitoire a été adressé au Sénat. Voilà. Et donc la décision définitive de la justice devait à nouveau être adressée. Donc Matata n'était pas censé savoir que cette notification était parvenue ou pas au bureau. Il est dans ses raisons, dans ses droits plutôt. Et le Sénat aussi a communiqué à travers son bureau pour dire jusqu'à présent, il n'a pas été saisi d'une décision. La faute incombe au procureur. Si on peut le dire ainsi. Je vais continuer. Voilà. Ce qui m'a surpris et ce qui m'a choqué davantage, c'est que Matata Ponyo se livre lui-même au vindic populaire. Qu'est-ce qu'il dit? Le président du Sénat a pour mission, entre autres, de protéger l'ensemble des sénateurs. Mais cette protection est tributaire à la loi. Elle est liée à la loi. C'est pas quand vous allez au-delà de la loi que vous devez obtenir cette protection. La protection, elle est légale. Si le président du Sénat pose des actes de protection en dehors de la loi, lui-même tombe sur le coup de la loi. Et donc, je rappelle à Matata Ponyo, la protection dont il s'agit, telle que prévue par la loi et par les règlements intérieurs du Sénat, pas au-delà de ça. Il dit, accepté, s'il vous plaît, ce sont des points qu'il a évoqués dans son point de presse. Il dit que lorsque le professeur Modeste Bahati a été refusé dans son gouvernement, et c'est lui qui a fait en sorte qu'il accepte. Il a accepté. Mais il s'est senti un peu trahi dans la mesure où il attendait. Soyons honnêtes entre nous-mêmes. Je regarde Matata Ponyo en face. Entre Joseph Kabila et lui, Matata Ponyo, qui avait les derniers mots sur la composition du gouvernement? Personne ne le voulait. Qu'on dit personne, donc personne. Ni Kabila. Et lui a introduit Bahati dans son gouvernement contre la volonté de Joseph Kabila. Il aurait peut-être on continue. Il dit, le professeur Modeste Bahati, tous les actes qu'il a posés, certains d'entre eux étaient des actes de mauvaise, pas de bonne gouvernance, mais il a protégé. Il s'est trahi. Il veut dire tout simplement qu'il est le premier ministre qui protège des gens qui violent les procédures. Donc, c'est le premier ministre de l'impunité
le premier ministre de la malgouvernance. Donc, il continue, ce dit, il continue, il continue. Il dit, allons vite parce que là, s'agissant de la plainte, hein. Matata Pono dit à la justice ceci. Vous voulez m'arrêter? Ok, je suis d'accord. Mais avant de m'arrêter, arrêtez d'abord Modeste Bahati Lokwebo. Si vous l'arrêtez, seulement à cette condition que vous pouvez m'arrêter. Donc, Matata Pono décide sur ce que la justice doit faire avant que lui devienne justiciable. Parce que jusque-là, il dit qu'il n'est pas justiciable. La Cour constitutionnelle a dit qu'il n'était pas justiciable devant elle. La Cour de cassation également. Donc, merci. La condition sine qua non pour qu'il accepte la décision de la justice, il faut commencer par arrêter le professeur Modeste Bahati. Et ça, c'est un ancien premier ministre qui dit des absurdités comme ça. Merci, Ngachi. Merci beaucoup. En tout cas, cette question de Matata inquiète Maître Cyril Moulomba. On n'arrive plus à comprendre. Les Congolais ne comprennent plus. Matata est-il justiciable ou non? Y a-t-il de l'acharnement ou pas? Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier? Qu'est-ce que Matata reproche ou encore qu'est-ce que Bahati cherche sous la tête de Matata? Matata Pogno, l'ancien premier ministre, devra se rendre à l'évidence que l'époque des intouchables est révolue. Encore une fois. La république bananière n'existe plus. Et que ça ne sert à rien de se victimiser pour espérer échapper à la justice. Il est le seul candidat sérieux qui ferait peur. Il est libre à lui libre à lui de croire qu'il est la personne qu'il faut pour le Congo. Libre à lui, c'est un opérateur politique, il peut penser tout ce qu'il veut. Mm-hmm. On le lui concède, mais entre vouloir et faire, il y a tout un océan voilà. Là-dessus. Mm-hmm. Je vais simplement dire ceci. Cette forme de saga autour de lui, ça ne va pas dans sa faveur. Mm-hmm. Parce qu'au fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Bukanga Lonzo, il y a de l'argent sorti pour nourrir le Congolais. Monsieur Matata Pono, on ne voit pas Bukanga Lonzo, mais on voit une université et des œuvres sociales. Le premier ministre n'a jamais été ministre de l'agriculture. S'il vous plaît. C'est là aussi, on ne comprend pas très bien. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Okay. Il était chef donc, du gouvernement. Ceux qui disent aussi que Tshisekedi fait mal les choses lorsque Tshisekedi n'est pas chef du gouvernement. S'il vous plaît. Raison de dire ça. Le président Félix Antoine Tshisekedi n'est pas chef du gouvernement. Okay. C'est comme ça que. Apprenons, l'état de droit, c'est toute une école. Hein. Vous savez, lorsqu'on a appris la technique pour combattre. Vous nous avez appris aussi que lorsque ça allait mal, c'était Kabila qui dérangeait les choses. Écoutez, ce que je vous dis, qu'il faut apprendre que dans un état de droit, il y a des règles. Et parmi ces règles-là, il y a cet aspect de choses au niveau de la justice. Matata Pono, allons quant au fond. Vous voulez tourner autour des questions liées à la forme, qui a dit ceci, qui a dit... Mais c'est la justice. C'est la justice qui est en train de faire son travail. Et vous avez des auxiliaires de la justice. Et présentez vos moyens de défense par rapport à cela. Mais le peuple, qu'est-ce que le peuple attend? Le peuple attend de connaître la vérité. Où est parti l'argent de Bukanga Lonzo? Si vous en avez encore ramené, parce que le programme 145 PEDEL, territoire. Le programme qui fait mal à toute l'opposition, est là. On a besoin de l'argent pour ça. Aujourd'hui, dans chaque territoire, il y a moyen de trouver un beau bâtiment administratif, il y a moyen de trouver de routes, il y a moyen de trouver des infrastructures qui peuvent permettre le développement à la base. C'est ce programme-là qui a besoin de l'argent comme celui de Bukanga Lonzo. Il n'a qu'à remettre cet argent-là, il vivra en paix. L'argent est là pour ces programmes de développement à la base, donc on n'a pas à chercher ça dans les... Entre autres, c'est un plus. Merci. Maître Cyril Moulomba, Maître Claude Ngoman sont en train de shooter. Matata Pono est-il justiciable ou pas? Parce que finalement, on ne comprend pas. Quand on est opposant, on devient intouchable. On devient fragile quand on est touché. Oh, Bassi Minga, on veut me disqualifier. Qu'est-ce qui se passe dans le dossier Matata?
Pourquoi est-ce qu'il en veut à Bahati alors qu'il serait peut-être attaqué au procureur selon Ritsi Ngachi? D'abord, il y a une question à se poser. Mm-hmm. Est-ce que Matata est un opposant? C'est un frustré. Oh. Il n'est pas opposant, c'est un frustré. Comment ça? Parce qu'il y a des ennuis judiciaires qui pèsent sur lui. Et voilà, il est en train de se victimiser nuit et jour. Et c'est là où on... Bah pour être opposant, il faut être comment? Mais attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas du fait que vous avez géré hier et que vous n'êtes plus au pouvoir que vous devenez opposant, non! Ah bon? Non, ce n'est pas pareil! Mais c'est que. Enfin, finalement. Oh là là. Monsieur personne Matata, ne peut, en c'est, fait, c'est, Monsieur c'est Matata, dire opposant, aujourd'hui, alors, si on veut moi vraiment je viens croire de comprendre, à cette logique. Et je viens de comprendre que Monsieur Matata, c'est un évadé de CNPP. Vu le crash qu'il avait subi avec le traumatisme ukrainien, donc ça continue à produire des faits jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pourquoi parce que, regardez l'incohérence. Monsieur Matata dit que le président du Sénat, professeur Modeste Bahati, ne veut pas protéger les sénateurs. Selon lui, dans est-ce sa tête, pas raison, il s'accroche à l'article 217 du règlement d'ordre du Sénat. Mais l'article 18, l'article 18, prenez le dernier alinéa. Quand il s'agit des ennuis judiciaires et que le bureau du Sénat saisit formellement par la Cour constitutionnelle, et vous savez, la procédure a été respectée dans ces cas. Le procureur a été invité au bureau du Sénat via une commission qui a été mise en place. Le procureur avait fourni ses moyens. Et Matata a été même entendu dans la même commission. Et le bureau s'est statué, a pris la décision sur base du rapport de cette commission. Et pourquoi voir l'ombre de Bahati partout? Pourquoi citer le nom de professeur Bahati Mais partout? Il estime, entre nous, il estime que, regarde son comportement, les faveurs envers le Bahati qui était le mal-aimé, ça c'est selon ce qu'il a dit, et qu'il pouvait en retour bénéficier d'un certain traitement de faveur, non, mon cher d'une ami, certaine grâce. Monsieur Matata, au lieu de se soucier de ses immunités, il doit d'abord se soucier de sa santé mentale. Non, mais vous n'avez je pas à dire ça. À non, moi je vous dis parce que. Attendez, vous n'êtes pas médecin, ami, monsieur. Moi vous je lui recommande à cela. Être poursuivi parce que prenez. Mais mon cher ami, gravissime. Quand vous avez. Je vous demande même un sénateur. Quand vous avez un sénateur qui ne maîtrise pas les textes du règlement d'ordre intérieur du Sénat, mais c'est grave. Et encore. Regarde ma tête, mais son est-ce comportement. Que ce n'est pas à partir de cette erreur qu'il pense qu'il y a de l'arbitraire. S'il vous plaît, Monsieur Matata retire confiance au bureau du Sénat. Ouais, il ne fait plus confiance à Bahati. Quelle est cette disposition légale qui donne droit à un sénateur ou à un député à lui seul de retirer confiance à un bureau? Et pour ça, il va aller saisir la Cour constitutionnelle. Et il met en accusation le bureau et le son professeur président. Bahati, le président. Mais cette requête sera déboutée. Sera déboutée. Ce n'est pas soutenu légalement. Ah bon? Mais il a aussi des avocats à ses côtés, non? Est-ce que c'est péché de conseiller, de consulter ses conseils? Est-ce que vous pensez que ces avocats n'ont pas eu le temps d'étudier cette démarche avant d'arriver à saisir la justice, où vous pensez tout simement que ces avocats sont en train de vouloir le racketter un peu, non, le rationner un peu de l'argent? Moi, je le recommande tout simplement à aller consulter ses avocats. Voyez-vous? Mais dans les cas, ça doit être des communs accords qu'ils ont déposé cette plainte, parce que lui s'est fait assister par ses avocats. On les a vus même l'accompagner. Je n'ai pas entendu là où M. Matata a démontré l'irrégularité dans cette procédure qui a concouru à la levée de ses immunités. Il n'a même pas évoqué des dispositions. Il n'a même pas évoqué. Nous allons retrouver ces documents, pas bien qu'on oui, a retrouvez-les. Vous verrez que entre les lignes, il n'y a aucune disposition, ni de la Constitution, ni du règlement d'ordre intérieur du Sénat.
Moi, je pense à un moment donné, quand on est sénateur, vous devez avoir d'abord les cultures de la lecture, maîtriser les lois qui vous régissent dans ces prestigieuses chambres. Ok. Voyez-vous. Mais aussi, quand M. Matata excelle dans le mensonge, 400 bis Transco, Congo Airways, mais partout, il a mis ses frères et ses cousins. Il est allé nous acheter des avions dans, qui étaient hors service. Et ce monsieur, vous pensez qu'il est sérieux? Monsieur Matata a géré 10 projets dans lesquels 0 projet a été réalisé. Mais voilà, il se prétend être opposant. Mais il s'oppose à quoi? Bon, il est, j'ai le document avec moi, on va lire très rapidement parce qu'on est en train de finir. Il dit en effet, bon, c'est adressé au procureur général près la Cour de cassation. Il dit, bon, ça c'est le deuxième paragraphe. En effet, face aux réquisitoires fantaisistes et contradictoires du numéro plutôt 12-19,1419 et voilà, de 28 avril et 12 avril. 12 et 15 mai 2021, tendant à obtenir l'autorisation des poursuites des sénateurs Augustin Matata Ponyo et Ida Kamonji Nasserwa, les sénateurs réunis en plénière s'étaient prononcés en votant contre l'autorisation des poursuites. Et sa lettre numéro 0, voilà, adressée au procureur général près la Cour constitutionnel, l'honorable sénateur Modeste Bahati, président du Sénat, l'avait fait savoir au procureur près la Cour. Voilà. Mais il est surpris d'apprendre plutôt qu'en date du 16 juin de cette même année, soit 24 heures après la clôture de la session parlementaire du mois de mars, et il n'y a pas de hasard. L'honorable sénateur Bahati, voilà. Il y a que des mensonges. Selon lui, la plénière n'avait pas autorisé ça. Il y a eu débat au niveau, il y a eu débat dans la plénière. Ok. Mais dites-moi, allons dans les mensonges de M. Matata. Si tous les sénateurs de commun accord, ils étaient opposés à la levée de ces immunités, et le président a fait il devait y avoir un communiqué. Avez-vous entendu les sénateurs émettre un communiqué dans ce sens? Non. Et aussi, même certains diront que voilà, Matata, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente. Mais quand la Cour se réclame incompétente, ça ne veut pas dire l'acquittement. Ok. Mais non. L'incompétence de la Cour ne veut pas forcément dire que la Matata est lavée. Parce qu'on doit finir, on est vraiment à la fin. La dernière question, qui peut juger Augustin Matata, est-il justiciable ou non? Mais il est justiciable. Mais comment est-ce c'est la Cour de cassation, voyons voir pendant. Vous savez, nous avons le pouvoir des réserves. Okay. Quand le dossier est pendant, on est soumis aux réserves. Voilà. Voyons voir comme le dossier est devant le procureur près de la Cour de cassation. Voyons voir. Voyons voir, en tout cas, merci. Mais je demande à M. Matata d'aller consulter son médecin. Ça, c'est vous qui le dites, encore, que vous avez droit, vous devez le prouver. Je vous remercie, Claude Ngoma. Je rappelle que vous êtes avocat et membre très actif du parti Nouvel Élan d'Adolphe Mojito. Héritier Ngachi, vous êtes cadre de l'AFDC de Modeste Bahati. Cyril Moulomba, juriste également et cadre de DTR. Hein? Les démocrates tshisekédistes de Ogi Ilunga, c'est ça? Oui, le sénateur. Le sénateur Ogi Ilunga. Madame, monsieur, merci à vous pour votre attention à cette émission, à ce duel de ce jeudi 22. Donc, je rappelle que nous avons traité, nous avons tablé sur les dossiers Matata Ponyo qui le pose désormais au président du Sénat, Modeste Bahati, qu'il juge. Qu'il pense qu'il est donc ingrat à son égard, vu le faveur qu'il lui avait accordé à son temps quand il était Premier ministre. Et nous estimons très bien que le dossier va évoluer, qu'il y aura une issue quant à ce. Nous avons également parlé de l'interpellation de ses opposants, Franck Diongo, Salomon Escadela.
dont les procès sont en cours ou encore l'instruction, c'est ce que vous dites. L'instruction. Voilà. Et bien évidemment, les grands dossiers, c'était le retrait du parti décidé de Martin Fayoulou et son Lamouka au processus électoral. Nous espérons que dans les heures qui suivent, les membres de son parti vont se prononcer encore, parce qu'on apprend de quelques sources qu'il y aurait des déclarations, mais aussi des départs. Moi, je vous fixe rendez-vous demain à la même heure. Merci pour la fidélité. À très, très prochainement. Au revoir.